2015 en toute sa splendeur. Bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Là, vous avez vu, dès que je lance la capture, hop, en même temps je suis en live sur Twitch. Dès que je lance la capture, paf, problème de chargement de map. Bon, ouais, on va essayer de lier ça. On va enchaîner les courses, donc on va continuer avec Amy, parce que c'est un petit peu la personne avec qui on a commencé les courses, donc autant enchaîner. Hop. Donc chaud bouillant, tac, pour l'instant on va se contenter de rouler, hein, vu que c'était porté. Ah, la recharge des chevaux. C'est pareil sur Forza aussi, je pense aussi. Ça c'est lié à la capture en fait, c'est le processeur qui morfle et on s'est du mal à charger. Il n'y a pas que sur les Force Speed. Pareil sur Forza, dès que je fais de la capture, etc. Ça fait ça. Pareil sur The Crew aussi, j'ai déjà vu. Même GTA 5. GTA 5, dès que je suis en stream, les bâtiments qui étaient pop. Là, c'est lorsque je vais un peu vite. Ah voilà, je suis à 200. Hop. Je suis sûr que si j'enlève la capture, le stream, aucun problème. Bon, pour l'instant, je suis en vitesse de croisière. Ah,
Allez. Pour Need for Speed Payback, hein. Cela, si 2015 ça fait ça. Heureusement j'ai acheté pour 10 balles, hein, parce que là 70 balles je sais pas. On est parti pour la course. Ça veut pas tourner, ça rame. Là j'ai pu tourner, ça.
respect, je suis arrivé deuxième. Fous de ma gueule. Bon, encore un niveau, donc niveau 8. Bon, je vais changer de truc pour le live. Oh mec, tu veux me plomber le moral? T'as manqué l'objectif, et largement, je pense. Ressaisis-toi, et fais péter un score! Donc, on va essayer de retenter la mission. Enfin, on va retenter tout simplement parce que là, c'est pas vraiment la joie. Donc, hop, on va se téléporter par contre. Hein. On va éviter de se retaper les 12 km. Si on se tape un petit chargement, hop, c'est parti. Allez, cette fois on est chaud bouillant, comme dit dans le titre. Ok, surveille bien ta zone rouge et ce sera tout bon. C'est pas vraiment les courses de préparation. La ligne droite, en plus la bagnole est vraiment super rapide. Dans un club très fermé, mec. À pétard. Ok, bon. On va enchaîner cette mission. Moins qu'on a fini avec Kimi, on va faire les autres. Ouais, j'ai l'impression. On va faire Manu, du coup.
super, mais bon, ça rapporte de l'XP apparemment. Manu, c'est vraiment pas le mauvais gamme. Peut-être, mais je l'ai trouvé un peu sexiste quand même. Tu le décodes mal, ma petite. Amy a raison. Manu vient d'un autre monde que le tien. Alors du coup, des fois, bah, il en rajoute un peu. Ouais, et ben c'est pas la peine d'en rajouter. Moi, je l'ai trouvé super grossier. Je m'en occupe. N'oublie pas que les mots sont une chose, mais les actes comptent tout autant, ok? Bon, je dois filer. On se voit plus tard à l'atelier. À plus. Ah, au fait, Robin. Je sais même pas que j'y refais. Il a un truc à me proposer. Tu veux venir avec moi? Fais attention, Amy. Tu vas te faire refiler une pièce pourrie comme le calculateur l'autre jour. T'inquiète. Tu peux compter sur moi pour faire durer le supplice. Ok, j'y vais. A plus. Bye, K. Robin. Ça, je t'apprendrai à connaître. Merde. Enfin, j'ai 36 trucs à faire. C'est pas ma faute, donc, hein. On se retrouve à l'atelier, d'accord? Ouais, comment s'enfuit des flics? J'ai des souvenirs. Ça, c'était du shit. Bon, Manu. Non, je le dis comme je le pense, ok? Le drift, c'est tranquille. Quoi? Ça a rien de stimulant, rien du tout. Qui dit ça? Salut. Toi? Amy, allez, voilà mon secours. Non, en fait, jamais, je déteste. Je déteste entendre le moteur frôler le rupteur quand t'es en sur-régime comme ça. Mais j'aime bien quand j'arrive à me maintenir dans cette zone parfaite. Ouais. Ok, je vais y aller. Tu viens? Ouais, c'est parti. Big up. À toutes. Bien posé, mec. Il déteste le drift pour une seule raison. Il est nul. Ouais. Il faut une certaine finesse pour faire de longs dérapages précis. C'est comme surfer sur une vague. J'ai raison ou j'ai raison? T'as jamais tort. En gros, on mélange pas les torchons et les serviettes. Ah, tu vois, Robin, elle, elle a de la classe. Elle tient le cap. Spike, c'est plutôt du genre à jouer du frein à main comme les gamins à l'auto-école. Arrête, il est pas si nul, Manu. Tout ce que je dis, c'est qu'il a du bol d'avoir un père qui est maxi blindé. Bon, bah on a assez parlé comme ça, je me tire. Et depuis quand c'est un problème? C'est un problème à partir du moment où on discute de trucs pendant des heures au lieu de les faire. Écoute, je prépare un petit truc. Bon, rien n'est encore fait, mais... si le calme t'angoisse, c'est qu'il te faut ta dose de dinguerie. Cool. Je te rappelle. Salut.
Cette fille a toujours un coup d'avance. Il y a toujours un truc qui se passe quand elle est là. Enfin bref. Tu devrais aller te mesurer aux mecs qui font du drift à Ventura Bay. Ouais. Je t'appellerai pour te présenter de vieilles connaissances. Ouais, bof, hein. Les cinématiques, elles sont pas non plus... T'es une bagnole, là. Je sais pas... Là, c'était une Honda, là, c'est bien. Il y a une photo à faire, là, on va la faire. Il fera peut-être la miniature de la vidéo, d'ailleurs. Celui-là. Hop. Des notes, j'espère. Thank you.
la course et là il me rattrape le... Oh, il me dépasse à la fin. Bon, bah, on va devoir la refaire hein. Ah bon. Oh, joli coup de volant, mais de là à me battre, il fallait pas rêver. Il paraît que les flics sont sortis, donc rendez-vous au Longhorn, sur Franklin Terrace. Allez, à toutes. Alors, prochaine mission, bon, on a le choix entre les trois, on va continuer avec... Il faut aller au garage aussi. Succède sur ce Magnus. C'est une légende, ce mec. Et pour devenir numéro un, il faut la faire tomber, cette légende. Je suis d'accord avec Travis sur ce coup. Oh non, pas toi, Robin. Hé, hey, tu dois suivre ton plan. Mais c'est ça, mon plan. Mon nouveau plan. Et c'est maintenant ou jamais, de toute façon. Écoute, Manu est au Longhorn. On n'a qu'à aller là-bas pour en discuter. Oh, laissez tomber. Je suis décidé. Je peux pas, Robin. J'ai un rendez-vous. Une prochaine fois, ok? Ok. Prenez bien soin du petit jeune. Sans faute. A plus. Ok les gars, rendez-vous au Longhorn. Te prends la tête, je connais un super endroit pour drifter. C'est pas très loin. Viens me voir quand t'es prêt. On se retrouve là-bas. À toute. Ben.
D'autant plus fameuse, hein, photo. Hein. Deux jours pour trouver ça. Hé, hey, regarde. Je me suis dit que ça te filerait la pêche. Salut. Hey. Yo, ça va, t'es? Imagine, Nakai-san contre Magnus Walker, qui gagne? Arrête, c'est pas comparable. Tu me fais de la peine. Hé, hey, non, c'est trop facile de répondre ça. Moi, je dis que c'est Nakai-san. C'est certain. Sauf si Magnus conduit une RWB. Là, la question se pose même pas. Tu fais des progrès. Bah, j'espère juste qu'un jour, je réussirai un projet qui arrivera à la cheville de ceux de Nakai-san. Comme quoi, l'imagination est notre seule limite. Avec moi, c'est nos limites. Je réfléchis à une préparation qui mettra tout le monde d'accord. Je te parle d'un truc de malade. Facile. Il faut du cash et travailler dur, voilà. Et depuis quand on bosse sur des projets aussi pépères? Tu sais très bien qu'on n'a jamais été du genre à se la couler douce. Réfléchis. La répute qu'il faut pour gratter le cash nécessaire à ce genre de projet. Tu me suis, il faut se donner à fond. Ah, désolé. Je t'ai cassé ton trip. Ouais. Quel boulet, ce mec. Ouais. Tu sais ce qui est nouveau, trop génial et qui sent la gomme brûlée? Les courses de drague. On en fait tous. Tu devrais essayer. C'est de la bombe. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse pour cet épisode-là. Je vous dis à la prochaine. C'était Diablo. Ciao.